Il y a un peu de soleil aujourd'hui. Voilà, donc bonjour à tous. On est toujours masqués, hein, comme d'habitude. On est toujours masqués parce que voilà. Donc je sais pas si vous avez vu le post hier. Partagez le direct pour que ceux qui n'ont pas pu voir le post d'hier pour venir sur le terrain voir ce direct, parce qu'il peut y avoir des personnes à côté qui sont où nous sommes et qui viennent nous rejoindre. Donc, est-ce que quelqu'un peut m'écrire RSC Gadizi Val de Seine, s'il vous plaît? J'ai oublié d'écrire ça tout à l'heure là, parce que voilà. Donc ça se passe sur le terrain. Il n'y a plus trop de temps pour parler sur la toile. Ça se passe sur le terrain. D'habitude, vous allez me voir en direct sur le terrain, sauf vraiment quand c'est très très... Quand c'est nécessaire que je parle, c'est là où vous allez me voir. C'est là où vous allez me voir à la maison, assis sur mon canapé ou bien je ne sais pas où, en train de faire le direct. Sauf quand c'est nécessaire, mais... Maintenant, j'ai décidé de combattre comme avant. Voilà. Donc, ça se passe sur le terrain. S'il vous plaît, partagez un peu le direct là. Partagez ce direct là. Et ceux qui peuvent nous rejoindre vont nous rejoindre. Parce que nous sommes dehors. Nous sommes sur le terrain, comme d'habitude. Voilà. Pour faire ce qu'on a l'habitude de faire. Pour faire ce qu'on sait faire. Voilà. Parce qu'un activiste... n'a pas trop le temps de parler. Un activiste, c'est l'action. Voilà, action, réaction. Dès qu'il y a quelque chose, c'est action, réaction. On n'est pas là pour parler. Parce que trop parler, c'est maladie. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut... Attendez. J'ai oublié d'écrire tout à l'heure où nous sommes. Nous sommes... vous voyez, hein, je vais vous filmer pour que vous voyez. Comme ça, ceux qui peuvent... Voilà, nous sommes ici, là. Nous sommes ici. Tout le monde est invité, hein? Tontina, Sardina, vous êtes tous invités à venir ici, là, à cette gare-là. Donc, c'est Mairie d'Izy Val de Seine. C'est le RSC. Vous voyez, c'est le. Voilà. C'est le RSC. RSC. Non, c'est R-E-R. Regarde, regarde comme c'est écrit. R-E-R-C. Voilà, c'est RSC. Voilà. Donc, nous sommes là. La direction, je crois, c'est Saint-Quentin-Yvelines, hein, un truc comme ça. Bon, bref, les gens qui vont taper sur la toile, qui vont taper sur RATP pourront voir la direction. Parce que ici en Europe, tout est tracé, en fait. Donc, quel qu'en soit où tu vas, tu prends seulement ton téléphone, tu tapes l'adresse de où tu vas, et ça te sort l'itinéraire, ça te sort les transports, ça te sort, voilà. C'est pour ça que nous luttons, parce que nous voulons ça au Cameroun. C'est possible, hein, de le faire. Vous croyez que c'était comme ça au début? L'Europe aussi n'était pas tracée. Hein. Je me rappelle quand j'étais encore au Cameroun. Merci, Alain. Je me rappelle quand j'étais encore au Cameroun, quand mon papa venait ici, parce que tout le temps, il venait ici, quand il rentrait, il me disait, « Ouais, chez tes frères, quand on va là-bas, quand je vais chez tes frères, et qui veulent m'amener quelque part, ils prennent seulement le GPS, ils tapent dessus et puis ça nous dépose à l'endroit. » Donc, ça, je vous parle là, c'était dans les années, ça fait longtemps, hein, ça fait au moins 20 ans. Donc, voilà, ils nous racontaient ça. Et voilà, on écoutait, on était tout à gars, quoi, parce qu'on se disait, mince, comment ça se fait que la voiture t'amène? Et le patin ne parlait même pas, il ne parlait même pas du GPS. Hein, il disait seulement que quand tu veux aller quelque part, tu tapes l'adresse et la voiture t'amène. Voilà, c'est comme ça qu'il parlait, genre, comme c'était... merci le stratège, je vais épeler plutôt ça parce que c'est plus précis. Voilà, donc le patin parlait comme ça, comme si c'était, voilà, Michael Nike, quoi, qui t'amène où tu veux. Et on était tout étonnés que, mais qu'est-ce, c'est quoi ce truc? Donc, quand on arrive en Europe, on se rend compte que, voilà, donc ça s'appelle, c'est le GPS, c'est parce que c'est tracé, c'est parce que tout est tracé. Donc, quand tout est tracé, tout peut être retrouvé. Quel qu'en soit où tu vas, tu tapes seulement l'adresse et voilà. Donc, nous y sommes, nous sommes là, nous sommes là. Ça va chauffer tout à l'heure. Et je ne sais pas si je pourrais lancer. Je vais lancer le direct soit sur cette page, sur ce profil, soit je lancerai le direct
sur ma page officielle, parce que j'ai une page officielle qui s'appelle Salomène Tiap Tchèque Combattant, mais Facebook me bloque tellement là-bas, j'arrive pas à faire vivre la page. Donc quand je veux partager un truc là-bas, tout le temps ils m'interdisent, donc voilà. Mais j'ai décidé que le direct d'aujourd'hui sera là-bas. Donc c'est Salomène Tiap Tchèque Combattante. Vous tapez Salomène Tiap Tchèque Combattante, vous allez voir cette page-là. Je viens de la publier même sur mon profil tout à l'heure là. Vous tapez, vous voyez. Et puis vous allez vous abonner, parce que tout à l'heure quand je serai en direct, je vais lancer le direct plutôt là-bas. Voilà, parce que ça va chauffer. On n'est plus là pour parler. Ça fait mal aux oreilles, ça fait mal à la tête. Voilà. Donc les combattants, il faut que vous sachiez que le combat continue. Il faut que vous sachiez que nous sommes toujours debout. Nous avons décidé de nous sacrifier pour le Cameroun et nous assumons. Nous assumons. J'ai entendu, il y a les gens qui ont dit, il y a les gens qui disent, hein, quand il y a quelque chose maintenant dans nos familles, Salomène a décidé de faire la rébellion avec le Cameroun, on ne peut pas venir. Oui, je ne viens pas. Je viens pour que ça change, quoi. Je suis pas obligé de venir. Mais le jour que je voudrais aller au Cameroun, je vais aller. Hein. Je vais aller coûte que coûte, mais franchement, c'est pas ma priorité pour le moment. Voilà, tout simplement. Donc, nous sommes là. C'est vrai qu'il fait un peu chaud, mais ça va. Nous sommes là, nous sommes à... Où j'ai épinglé, là. C'est Easy Val de Seine, RSC. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, il n'y a pas de sujet sentier. C'est juste pour vous informer que restez scotché parce que nous serons en direct tout à l'heure. Et je peux pas vous dire ça comme ça, en fait. Vous voyez? Donc, je ne peux pas vous dire ça. On ne pouvait pas parler de ça ouvertement. On a juste, informer. Ceux qui peuvent être là seront là. On va faire ce qu'il y a à faire de façon bien salée, quoi. De façon bien salée. Voilà. Parce que y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour s'exclamer, il y a un temps pour parler, mais il y a aussi un temps pour l'action. Voilà. On ne peut pas être des combattants, des activistes, et on se dit il faut seulement parler, il faut seulement décrier. Non, on doit être sur le terrain. Parce que c'est le terrain qui a fait que on se connaisse tous là. C'est le terrain, hein. On ne se connaissait pas avant. Voilà. Et même après, on ne va pas se connaître, ça c'est sûr. Mais au moins, s'il y a une chose qui peut nous rassembler, c'est le terrain. Ce n'est que le terrain. Voilà, il n'y a que ça. Voilà. Donc, les combattants, ceux qui sont vers la mairie d'Izi, rejoignez-nous vers Izi. Izi Val de Seine, je vous assure, ça fait longtemps que je suis en Europe, je connais, j'étais jamais venu ici. Et c'est toujours l'action qui nous amène sur des endroits, quoi. Donc ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas de nous rejoindre. Venez à la gare de Izi Val de Seine, venez nous retrouver là-bas. Voilà, c'est comme ça que ça se passait, hein, même avec la brigade anti-sardina au début. On ne se connaissait pas, personne ne connaissait personne. Hein. Il faudra que je vous le redise, comme je dis toujours, personne ne connaissait personne. Et voilà, c'est toujours des directs comme ça, on lançait des directs. Et voilà, les gens se sentaient concernés, les gens se disaient, ouais, je suis à côté, je viens. Ouais, voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait. Et on est resté après, parce qu'il fallait prendre des numéros après. Et voilà, tout le temps, il fallait prendre les numéros des nouveaux qui venaient. Et après, on est resté une équipe, quoi. Donc, c'est ça. Donc, si on l'a fait une fois, on peut le faire deux fois, on peut le faire trois fois, on peut le faire 10 000 fois. Simplement parce que nous avons besoin des combattants qui sont là pour le changement du Cameroun. Voilà. Des combattants qui sont là pour le changement du Cameroun et qui veulent bien faire des choses pour que ce Cameroun-là change. Et moi, je pense que pour que les choses avancent, ce n'est que la douleur. Parce que ce que Paul Biya et son gouvernement et son système font aux Camerounais, ils nous font mal tout le temps. Ils nous font mal. Ils nous font de ces misères. Ils nous font des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Ils sont tout le temps là en train de nous faire ouais, de nous faire dire ouais, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ouais, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Donc tout le temps, on est en train de se lamenter, quoi. Et pendant qu'on pleure, ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir qu'on soit en train de pleurer tout le temps. Voilà. Donc, à un moment, il faut que nous aussi, on se dise que comme ils nous font mal tout le temps, nous aussi, on va leur faire mal. On va leur faire mal où ça les touche aussi. Voilà.
Et la seule façon de leur faire mal, c'est d'être dans la rue. C'est d'être dans la rue et toucher ce qu'ils ne veulent pas qu'on touche. C'est-à-dire leur image, c'est-à-dire l'image qu'ils ont montrée aux gens qu'ils sont. Il faut qu'on détruise ça à fond. C'est pour ça que je dis merci. Je salue les combattants de l'ombre qui font un excellent travail en ce moment. N'hésitez pas de soutenir. Parce que ce sont des personnes qui ils ne veulent pas qu'on sache même qui ils sont, mais ils font ce qu'ils ont à faire. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas de soutenir. N'hésitez pas de soutenir tous ceux qui font le combat, que vous voyez que c'est le combat pour le Cameroun. N'hésitez pas de soutenir. Voilà. Donc on a décidé, moi personnellement, j'ai décidé que les directs à la con pour parler des gens, pour fabriquer les gens comme on a l'habitude de le faire. Franchement, moi personnellement, j'en ferai plus. Je fais le direct simplement pour vous informer de ce qu'on est en train de faire, de ce qui se fait, de ce qui se fera. C'est tout. Voilà. Donc, les combattants, c'était pas un direct, hein, c'est juste pour informer les gens qui sont à Saint-Quentin, je crois que c'est Saint-Quentin, tout comme ça, de venir nous rejoindre sur le terrain. Je suis à la gare de Easy Val-de-Seine. Les sardinats aussi qui sont autour, vous êtes bien invités. Vous aimez souvent nous taper. Vous aimez souvent dire que vous allez nous taper. Je suis à la gare de Ivry-Val-de-Seine. Donc, tous ceux qui peuvent venir, venez nous rejoindre. On va préparer la stratégie et puis on va aller à l'action. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà les combattants. Restez connectés, restez focus. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Ayez le discernement. Sachez faire la différence entre ce qui concerne le combat pour le Cameroun, le combat pour la libération et ce qui est la distraction tout simplement. Voilà. Donc à un moment, moi je me dis déjà, il faut travailler, s'occuper des enfants, écouter la télé. Si encore il faut que je vienne écouter les conneries sur Facebook, franchement, je me dis mais on va où là? Les oreilles franchement ne sont pas faites pour écouter les bêtises tout le temps, les gens qui racontent, chacun a dit, chacun a parlé. Chacun parle. Ouais, voilà. Mais que ce soit un direct pour sensibiliser, oui, je suis preneuse pour sensibiliser. Mais il faut que je rappelle bien à ceux qui font les directs que quand on fait le direct, la sensibilisation, ça va à l'encontre du peuple meurtrier au Cameroun. Donc, c'est eux qui doivent être sensibilisés. C'est à eux que vous envoyez la sémence. Il faut que vous le sachiez. Vous ne faites pas les directs pour les combattants. Vous faites les directs pour ceux-là que vous voulez qu'ils s'élèvent. Et vous faites aussi les directs pour peut-être les combattants qui sont en diaspora, juste pour les maintenir en éveil, pour qu'ils sachent que nous sommes toujours là dans la même mouvance, c'est tout. Bon, après, le reste de conneries qui se racontent après, là, vraiment, ça gâte tout, quoi, ça gâte tout. Voilà. Donc, on reste connectés. Bonjour Eugénie, bonjour à tout le monde, bonjour Amandé, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les combattants. On reste mobilisés, on reste focus, voilà. Donc, action, action tout à l'heure, c'est ce que je voulais vous dire. Merci, à bientôt.